3-3. Un ballon, un ailier, un autre ailier, trois défenseurs, trois joueurs au milieu de terrain qui attendent avec un deuxième ballon. Il n'y a pas de couleur, on se reconnaît quand même. On ne changera pas d'équipe, vous serez toujours avec la même équipe. 3 en attaque, 1, 2, 3, défense, 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 en attente au milieu du terrain, avec les deux suivants. Vous êtes ensemble, 1 à droite, 1 à gauche, 1 à droite, vous êtes à 3. Vous attendez, hein. On va jouer à 3 contre 3, d'accord? On va mettre une première situation en place, qui consiste à se passer la balle, à sprinter sans le ballon, d'accord, pour créer du retard. Ouais, et à l'attraper du ballon, être dans l'idée que ce retard, on va essayer de l'exploiter sur du 1 contre 1. Toujours pareil. Et sur le 1 contre 1, on a deux joueurs qui stretch, on joue avec trois joueurs extérieurs, les deux joueurs sans ballon derrière la ligne des trois points. Si ça va aider, ouvrir une fenêtre de passe. Si ça ne vient pas aider, backdoor, d'accord, pour aider mon partenaire. On part sur l'idée de deux mains à main. Écoutez-moi bien, deux mains à main. Un premier main à main et un deuxième main à main. C'est quelque chose que tout le monde joue maintenant. Donc, va jouer un main à main avec ton copain. Viens ici, voilà, viens le chercher ici, dribble, viens jouer un deuxième main à main ici, voilà, c'est toi qui es dans l'axe. Ok, stop, remets-toi ici dans le main à main, et toi tu as fait le premier. Suite à ton premier main à main, tu vas aller courir pour te démarquer ici, d'accord? Donc tu vas courir et te démarquer. Et derrière ton deuxième main à main, tu vas courir dans cet axe-là, c'est-à-dire qu'on va avoir un démarquage qui va être couper, ressortir, et on va avoir un démarquage ici qui, derrière le main à main, va être courir, se démarquer. D'accord? Bon, deux, trois petits détails. Pour toi, vas-y, mets-toi là-bas. Voilà, donc rien que sur la course, tu l'emmènes dans le backdoor, tu reviens. À l'attraper du ballon, puisque c'est la troisième passe, hein, il y a eu un main à main, ça fait une passe, un deuxième main à main, on arrive à la troisième passe, celle qui m'intéresse, il faut que tu déclenches de l'agressivité, c'est un temps fort, que ce soit toi ou toi, c'est un temps fort, c'est-à-dire vous allez attraper la balle pour attaquer. Si c'est toi qui as la balle, tu vas stretcher dans le corner et toi tu vas rester dans l'axe, d'accord, pour voir, pour offrir de lignes de passe. Si la balle est là-bas, c'est toi qui vas stretcher dans le corner et toi qui vas rester dans l'axe, tout simplement. C'est bon? Sur l'idée du démarquage, ce qui est important, c'est que quand tu travailles sur ton défenseur ici, il y a la vitesse, d'accord? Et après, il y a, si c'est nécessaire, le contact. Peut-être au départ, cours avec moi, peut-être dans la course, d'accord? Donc il y a l'idée de la vitesse et du contact, c'est deux idées importantes. Et autour de ces idées, il faut que tu repères là où il est en retard. C'est-à-dire, si tu vas assez vite et qu'il te court après, il faut que tu comprennes là où il est en retard pour pouvoir l'attaquer de suite. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas que tu attrapes la balle là et que tu regardes ce qui se passe et essayer de comprendre à ce moment-là, c'est avant d'attraper la balle, tu essaies de comprendre la situation et de l'attaquer là où il est faible. Il est là, tu l'attaques là, il vient essayer de te contester, tu attaques là-bas, tu le contactes, tu t'écartes, tu l'attaques là-bas. Donc, et à l'attraper du ballon, c'est l'enchaînement qui va m'intéresser. Attraper, attaquer. Attraper, tirer. Attraper, tirer, attraper, attaquer. C'est pas attraper, se mettre face, commencer à dribbler, non. D'accord? C'est attraper et jouer. La deuxième, ça c'est la tête. Pour les pieds, il faut essayer de mettre les pieds dans le sens du panier. Il faut essayer de mettre les pieds dans le sens du panier. Il faut essayer de mettre les pieds dans le sens du panier. Arrêt simultané, alternatif, en engagé, en effacé, tout le bazar là, toute la boîte à outils. Ce que vous faites comme vous voulez, c'est pas le sujet, mais vous essayez d'être face avec un petit sursaut, un attrapé en dynamique pour être tout de suite dans l'agressivité. Troisième temps, si, comme je lui ai dit, c'est comment ton prénom? Comme j'ai dit à Mathis tout à l'heure, si... Hein? Baptiste. Baptiste? Excuse-moi. Je suis amateur de peinture, tu comprends. Alors, si, quand j'ai la balle, j'ai pas d'attente d'avance sur ce joueur-là, peut-être que je peux rendre la balle et stretcher. On n'est pas obligé. S'il n'y a pas le tir, s'il n'y a pas l'attaque, rendez la balle. Allez chercher un copain. Peut-être toi ou toi, d'ailleurs. Ok? Deux passes, main à main. La troisième passe, dans l'aile, à droite ou à gauche, on est agressif. On y est? Go! Vitesse, vitesse, vitesse. Main à main, vitesse, démarquage. Yep, oui, ici, attaque. Là, attaque, attaque, attaque. Très bien. Ok. Reprends la balle ici, c'est bien. Ne gigote pas. Tu regarderas à la télé, les mecs, ils attendent ici. Ils attendent et ils regardent ce qui se passe. Celui qui est dans le corner, encore pire, lui, il allume son cigare, il s'offre un petit whisky, tout ça. J'attends. J'ai cette information-là, premier œil,
Deuxième œil, j'ai cette information-là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il me colle Val d'Or? Est-ce qu'il aide et je viens aider mon copain, là ou là, dans une fenêtre de passe qui lui facilite le travail? C'est au dernier moment que tu vas bouger, mais au moment où tu vas bouger vite et avec l'idée d'aider le porteur de balle. Les mêmes. Vitesse, go! Main à main, démarquage, jouer, regardez, on recommence. Trop d'altruisme, trop de générosité, tu dois devoir ça à ton père. C'est vrai, c'est héréditaire, c'est souvent les papas qui offrent la générosité à leur fils. Go! Allez, une, deux, attaque, s'il n'y a pas, il y a... Ok, alors, s'il est battu, là, on parle pas de défense, mais on va pas laisser Baptiste se faire massacrer tout l'après-midi quand même. Et les copains, là, il y a bagarre, c'est balle du samedi soir, il faut y aller avec lui. Hein. Oh, les attaquants défendent, les défenseurs vont se reposer, l'équipe suivante rentre et on enchaîne ça tout le temps maintenant. Go, main à main. Un. Stop, on recommence. Ça fait deux fois, non, cet après-midi que vous... C'était le même tout à l'heure ou... C'est un autre? C'est toi, t'aimes... Celui qui donne le ballon sur le main à main, il passe à l'intérieur et toi, tu passes à l'extérieur. Voilà, ici, tac. Et tu te démarques, tu rentres, tu te démarques. D'accord? Vas-y. Un. Deux. Démarquage, repart. On recommence, suivant. C'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé une troisième passe. Alors peut-être un drip pass, mais il me faut une troisième passe. Go! Main à main. Vitesse. Allez. Enchaîne. Là, stop. On recommence. Vitesse, contact. Deux choses. On a le premier main à main, ils sont en train de faire le deuxième, je suis venu ici. Vitesse, défense, contact. D'accord? Peut-être backdoor, j'en sais rien. Je ne suis pas un grand fan du backdoor, mais bon. Peut-être backdoor. De l'autre côté, il y a le deuxième main à main. Vas-y, fais-le comme si c'était le deuxième. Bon, ici c'est pareil. C'est-à-dire une fois que je viens défendre sur moi. Repars de là-bas, mets-toi à ma place, t'es coach. Voilà. Là, il y a le premier main à main qui est allé dessous. Attends que la troisième passe arrive, ça sert à rien de travailler quand on est en train de se passer la balle, tu perds de l'énergie pour rien. Donc tu vas commencer à travailler quand il va rentrer en possession du ballon. Viens me le chercher le ballon. Voilà. Donc là tu peux commencer à travailler pour qu'il joue avec toi. Mais tu peux aussi jouer avec moi. D'accord? Donc ça, ces trajectoires-là, les Américains appellent ça le Iverson Cut, là, quand les gens ils se démarquent sur cette trajectoire-là. Donc on va être, quand on va courir ici, si tu veux jouer avec moi, défenseur-moi, si tu veux jouer avec moi, dribble, et si tu veux jouer avec moi, soit très tôt, fais-le toi. Tiens, main à main, excuse-moi. Si je veux jouer avec toi, dans le main à main, d'accord? Vas-y, cours. Soit très tôt, je te donne la balle. Regarde, attends. C'est là où il faut organiser tes appuis. C'est-à-dire, tu es en train de jouer ça, tu cours et je te donne la balle ici et tu vas pouvoir attaquer dans le sens de ta course, tu profites de ta vitesse. Et si je te donne la balle très tard, c'est plus le même démarquage, je recommence ici. Et on a joué le main à main, tu veux jouer avec moi. Si tu ne me donnes pas la balle tout de suite, tu me laisses continuer à courir et t'attends ici que je revienne vers le ballon et que je puisse enchaîner. Donc c'est pas du tout le même jeu de jambes offensif. Il y en a un, tu es dans le sens de ta course et tu vas être très fort dans l'attaque ici, quitte à revenir. Et puis il y en a un autre, quand, si tu tardes à me donner la balle, si tu tardes, tu vas attendre que je fasse face pour pouvoir attaquer là ou feinter attaquer là. Ok? Il ne faut surtout pas passer le ballon entre ces deux temps-là. C'est ou tôt ou tard, mais pas entre les deux. Parce qu'entre les deux, tu lui mets la balle sur la tête. On recommence? Go! Trois passes, deux mains à main, démarquage, vitesse. Une, deux, démarquage, enchaîne, stop, on recommence. Je veux que tu sois face au panier quand tu attrapes la balle. Parce que tu avais un tir. Il était en train de ramasser des fraises là-bas, c'est pas la saison. T'avais qu'à te retourner et à shooter. Sauf que tu regardes pas le panier. Trois, deux mains à main, go! Un, deux, démarquage, vitesse, là, stretch, tire, on recommence,
Reprends la balle dans la zone. Reprends la balle dans la zone. Remets-toi là. Baptiste. T'es dans le corner, je te félicite. Après, soit lui va aider et on peut te donner la balle, d'accord ? Alors pas de passe poitrine, on l'a dit tout à l'heure, passe désaxée ou sauter au-dessus de la tête, d'accord ? Soit il peut te donner la balle, soit il vient pas aider, soit il va pas aider, d'accord ? Et s'il va pas aider, tu es plutôt sur les déplacements et tu coupes vers le panier, tu prends un contre-pied. Là, il est parti aider. Tu dois être là. Tu dois pas être là-bas, tu sers à rien là-bas. Viens ici. Qu'est-ce qu'on a dit ? Dribble, passe, c'est quoi derrière ? Shoot. Si j'ai pas le shoot, c'est quoi ? Passe. Et il m'a écouté. Mais si je dois passer la balle, il faut que tu viennes m'aider là. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai pas le tir, je vais te passer la balle. Ou peut-être faire dribble, passe. Et là, toi, tu vas pouvoir à ton tour réattaquer. Parce qu'il y a une attaque, si lui réattaque, regarde ce qui se passe, viens, remets-toi dans la zone. Admettons qu'il soit battu, il est rentré, je l'attaque, il est battu, il est toujours là lui. Alors peut-être que je vais trouver, parce qu'on est en 3-3, mais en 5-5 on ne trouve pas. Donc pas de drive de suite pour ne pas se remettre dans le trafic, et si j'ai besoin d'une troisième passe, c'est toi qui dois venir. Recommence. Les mêmes. Go. Démarquage. Attaque. Ou tir. Bien, bien. Alors, je disais bien, c'est à toi que je disais bien. Port de tête, mon ami. Trois suivants. Défends. Go. Un. Deux. Prêt à attaquer. Yes. Qui va aider ? Rebond, 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 rebond. Trois suivants. Go. C'est parti. Main à main. Main à main. Travail, sprint, sprint, t'as deux côtés, bien, trois suivants, go, main à main, main à main, démarquage, deux côtés, reste au large, y'a aide, y'a quoi là ? Stop, voilà, là, je vous arrête avant que vous perdiez la balle, vous allez la perdre la balle, passe la balle et réécarte, comment il s'appelle mon ami là ? Thiago, Thiago, passe et sprint, rééclaircis le jeu. Tu passes et tu restes à l'endroit où tu as passé la balle. Sprint. Suivant, go. L'intention est bonne. Allez, t'as plus qu'à travailler ton tir à 3 points. 1, 2, démarquage, qui est seul. 3, très bien, suivant, on y est. Allez, c'est parti. 1, 2, ça joue. On regarde, les deux côtés. Oui, oui. Alors, stop, on recommence. C'est bien, hein. Laisse-le jouer. Voilà. Alors, quand je reviendrai la prochaine fois, on travaillera les coupes. Mais là, on offre des situations de 1 contre 1 dans l'aile. Tu restes au large, t'attends ton heure pour jouer. On y est ? Go. Vitesse. 1, 2, choix. Est-ce qu'on attaque ou pas ? Est-ce qu'on passe ? Suivant, très bien. Et laissez-le tomber, Baptiste. Hein. Qui se démerde avec ses problèmes. Hein. Allez. Bien. Tu joues pas. Si tu joues pas, tu passes. Stop, 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 stop. Rends-lui la balle. Voilà, mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là-bas. Pourquoi tu viens là ? Est-ce que tu fais ça tous les samedis ? Tu joues intérieur ? Aujourd'hui, tu es ailier. Quand tu viendras jouer dans mon équipe, tu joueras dans l'aile. Mets-toi là-bas. Mets-toi là et tu attends. Tu attends. Tu attends. Il est en train de jouer. Il est dominé. Il est dominé. Je suis dominé. Dribble, passe. Ce qui me semble que lui, depuis tout à l'heure, c'est intéressant de lui donner la balle, non ? Parce que lui, il va mettre un chantier, là. Vas-y, fais le chantier. Tac, tac, tac. Ça va venir aider. Vous restez derrière la ligne. Il va peut-être vous passer la balle et là. C'est-à-dire que dans votre équipe, vous apprenez à comprendre qu'à un moment, il faut donner plutôt le ballon là, à un moment plutôt là, à un moment plutôt là, et on ne laisse pas jouer tout le monde, on donne le ballon aux joueurs qui peuvent faire la différence. Donc moi, à mon avis, si je joue avec lui, je lui donne les ballons, fais le boulot, moi je suis là, hein. D'accord ? Fais le boulot, puis moi j'attends que tu me passes la balle pour shooter. On recommence. Go ! Vitesse. Allez. Démarquage. Laissez-le jouer. Écartez le jeu. On recommence. Allez, vas-y. Large, face. Allez, il y a un tir ? Non, il y a un tir ? Ou une attaque ?
Bon, déjà on a gardé le ballon et déjà on a trouvé un tir. C'est mieux. Trois suivants. Go. Une. Oui. Deux. Contrôle ce ballon, Baptiste. T'es meneur de jeu. Troisième passe. Face. Large, large, large. Top. Vous voulez une chaise pour deux, vous? C'est le jeu des chaises musicales ou quoi? Il y a une chaise là et il y a une chaise là-bas. Alors arrêtez de venir vous asseoir tous les deux ici. Mets-toi dans le coin du terrain, mets-toi là. Mets-toi sous le panier. Go! Face, face. Ça aide. Bien. Et on recommence. Main à main. Et main à main. Main à main. Démarquage, tout de suite. On regarde et on attaque et on regarde. Oui, et on shoot probablement. Rebond Baptiste, on a déjà pris un. Trois points. Go. Vitesse, vitesse. Oui, laissez-le jouer. Prêt, prêt autour. Oui. En place. Remets en balle derrière. Remets la balle derrière. Va aux mains à main. Va aux mains à main. Va aux mains à main. Démarque-toi. Là, choix. Rebond peut-être. Stop. C'est là où ça me dérange. Eh, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Tu crois qu'il s'est posé la question quand il a dragué Lou, lui? J'y vais, quoi. Et toi, t'es là, j'y vais pas. On y est? Pas vrai? Quel timide. Une. Deux. Travailler. Très bien. Est-ce qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? On recommence. Top, 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 top. Est-ce que tu as regardé ce qui s'est passé? Il était où, ton défenseur? Prêt, loin, prêt. C'est un problème ophtalmologique alors. En place, on recommence. Il était loin. Regarde, il est loin. Tu tires. Allez. Une, deux, choix. Choix. Stop. Recommence. Tu es meneur de jeu? Tu es quoi? Shooter. Joue face au panier. Regarde, t'es ici avec le ballon et t'es tourné là. Non, tu peux pas, il est tout seul derrière. Faut que tu joues face au panier, là, là, et que tu puisses jouer à droite et à gauche. Allez, recommence. Go. Face. Décision, décision. Recommence, main à main, main à main, main à main. Encore un, encore un. Vitesse. Il y a shoot ou pas? Il y avait shoot, non? Non, pas pour. Stop! Venez au milieu du terrain. J'en ai encore pour une heure. Vous êtes prêts? On va arrêter parce qu'il faut qu'on rentre à la maison aussi. Il y a les devoirs à faire. Merci, messieurs. C'était bien. Bon travail. On va demander aux gens de vous applaudir. Vous avez fait du bon boulot. Bravo. Vous êtes libres. 16h09. Merci beaucoup de votre collaboration. Thank you.